pareil, qui a été dévasté déjà par cette guerre-là, et après il y a eu la guerre de BFA. Donc quand le roi Lich, quand Arthas a été démis enfin, a été repoussé du royaume de l'Est, et s'est repoussé donc et s'est retroussé donc en Orfandre, Sylvanas a réussi à reprendre une grosse partie de son indépendance, de se libérer de l'emprise d'Arthas du coup, ainsi que beaucoup de morts-vivants qui étaient sur place, qui sont par la suite devenus les réprouvés. Voilà, et c'est comme ça que sont nés les réprouvés. Mes souvenirs me hantent encore. Ça, c'est un petit peu, c'est assez bordélique comme histoire. Il faut savoir que ça, en fait, le début de l'attaque du roi Lich a commencé à Stratholme. Et Arthas, dans des conditions que je ne saurais pas vous expliquer, est devenu le nouveau roi Lich à ce moment-là. Et Uther, évidemment, a essayé aussi d'arrêter Arthas. Mais Arthas, évidemment, bah, l'a tué, quoi. Ce n'est pas encore terminé, il me reste un dernier. Ouais, voilà. Mon sort Votre n'est mission, pas encore vous fait-elle écrit. encore souffrir? Oui, je doute qu'elle se referme un jour. Anduril. Oh Où purée, donc. sommes-nous? C'est le moment de votre mort, n'est-ce pas? Il venait chercher l'urne. L'urne contenant les cendres du père qu'il avait tué. Pourquoi ce souvenir, Uther? Pourquoi vous attardez là-dessus? C'est à ce moment-là que j'ai échoué, que j'ai négligé les trois vertus, en particulier Je n'ai pas la de cible. compassion. Il me faut une cible. Mon cœur n'avait jamais été si glacé. Je n'étais plus ni son mentor, ni son ami. Mais un implacable ennemi. Peut-être, mais vous confronter à ce souvenir vous a appris la valeur de la compassion mieux qu'aucun sermon ne saurait le faire. Retenez bien cette leçon, Uther. Si l'on ne peut revenir sur le passé, l'avenir n'est pas encore écrit. Je ne l'oublierai pas, Arthas. Je suis hors de portée. Comme je regrette de ne pas avoir tenté de te sauver. Là-bas. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, ce sont les citoyens à sauver. Ah bah. Donc là voilà, il est déjà devenu le roi Lich à ce moment-là du coup. Enfin le nouveau roi Lich. J'essaie d'abord de sauver les gens. Hein.
je dois d'abord choisir une cible. Je n'ai pas de cible. Il n'y avait pas un mec là? Je savais qu'il y avait un mec dans le coin. Ah non, il est là-bas. Vous vous souvenez bien avoir vu un mec? Ok, 4 sur 5. J'aimerais sauver un dernier mec avant de continuer à buter des ghouls et tout ça. Là-bas. Approchez, Uther, et je veillerai à ce que votre agonie soit brève. T'as 1 million de points de vie. De toute façon, on sait quand ça va finir, hein. J'espère sincèrement que vous trouverez votre place en enfer, Arthas. Non ! C'était juste sous le coup de la colère. Rien n'est moins sûr, Uther. J'ai la ferme intention de vivre éternellement. Allez, c'est la fin. Nul ne rejoint les rangs des transcendés s'il ne maîtrise l'art de voler. Voyons. Tout ça n'aura-t-il servi à rien? Justice. Bon. Vous cherchez à vous rendre utile? Uther, si ces souvenirs vous font souffrir, sachez que le temps finira par vous en délivrer. Non. Ce sont autant de leçons à retenir. Si j'avais le choix, jamais je n'y renoncerais. Si vous aviez le choix. Adrestes, nous avons à parler. Je sais à présent quelle voie les Kyrian doivent emprunter à l'avenir. Autre chose, il me faut parler à Nicolon. Restez... et soyez mon témoin. Ensuite, nous regagnerons le fort Élyséen. Une fois sur place, je demanderai audience à l'archiconte. Là aussi, j'aurai besoin de vous à mes côtés. Rejoignez le marche droit au fort Élyséen pour une audience avec l'archonte. Ok. La sagesse et les avoués ne voulaient pas la guerre. Pas. Mais nos frères nous ont rejetés et ont refusé de nous écouter. J'ai compris mon erreur. Et je regrette. Uther m'a beaucoup appris aujourd'hui. Le bastion doit emprunter une nouvelle voie.
Accompagnez-nous, Nicolon. Nous devons trouver un moyen de réunifier notre peuple. Okay. Notre devoir n'a d'égal que notre détermination. Par la grâce de l'Archonte. Cinématique. Les 5 parangons sont nécessaires pour forger le nouveau cachet de notre congrégation. En ce jour, nous consacrons un nouveau parangon de loyauté. Ô Archonte, c'est par la loyauté, oubliant toute compassion, que s'est vu briser le cœur des Kyrian. Au lieu de loyauté, peut-être devrions-nous être en quête de dévotion envers notre cause, envers autrui. Et envers les âmes que nous escortons jusqu'en Ombre Terre. Quand Deva s'est rebellée, je l'ai accueillie les armes à la main. Ses griefs étaient légitimes, mais je n'ai pas su l'écouter. Apprenons de l'exemple du Terre. Dorénavant, tous les Kyrian auront le choix de conserver leurs souvenirs ou d'y renoncer. Adrestes, je vous nomme parangon de dévotion. Et vous, Cléa, vous serez sa main. Moi ? Pardonnez-moi, Archonte, mais je... Vous vous êtes voué à notre mission sacrée. Envers et contre tout. Vous méritez cet honneur plus que tout autre ici. Merci, Archonte. Nous servons avec honneur. Tu crois pas ? Ça change de dogme. Ben dis donc. Ça assouplit le dogme. C'est incroyable. Je vous vois. Allez, et servez. Première chose à faire, procéder à la reconversion du temple de la loyauté. Pélagos s'est porté volontaire pour se charger des préparatifs de la cérémonie. Et j'ai demandé à Nicolon de nous rejoindre au repos du régisseur avec ses compagnons afin de nous aider à convaincre les dévoués, les désavoués du bien fondé de... notre démarche. Rejoignez-nous sur place dès que possible. Rejoignez Adrestes au repos du... Il ne suffira pas de reprendre le temple. Il faudra aussi convaincre les désavoués de se rallier à notre cause. Vous pouvez compter sur nous. Je vais rassembler mes alliés et vous retrouver au repos du régisseur. Notre devoir n'a d'égal que notre détermination.
Ouais, vas-y, oublie. Nous ne faiblirons pas. Attends, mais je suis finalement en vrai. Ouais, il y avait un bug de position en fait sur la carte. Ouais, en fait, il y avait un bug de position sur la carte. J'aurais dû prendre le vol. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Nul ne rejoint les rangs des transcendants. Oh, tac! Non! Voyons comment vous. L'influence des désavoués a jeté un doute sur la sagesse dont se prévaut mon temple. Ténios, tu fais chier. Mes acolytes. Désavoué et Kyrian sont de nouveau réunis. Ce n'est encore qu'un commencement, Cléa. Un avenir radieux nous attend. Quel est votre tracas? Les cinq temples du Bastion ont tenu bon depuis leur création et nous n'avons encore jamais envisagé leur éventuelle reconversion. C'est là une entreprise qui va nécessiter de grandes quantités d'anima. Les fondations de cet édifice abritent les réserves d'anima que nous avions mises de côté pour faire face à la pénurie. Maintenant que le problème est réglé, nous allons pouvoir les utiliser. Vous allez devoir vous servir des canalisateurs et des collecteurs pour rediriger l'anima vers la surface et me conférer le pouvoir dont j'ai besoin. Rediriger l'anima de la citadelle de la loyauté vers le temple. Oui, mais il y a un problème là. Parce que leur extraction d'anima à eux, c'était basé justement sur le fait d'extraire les souvenirs des Kyriens. C'était comme ça qu'ils extrayaient de l'anima des âmes, on est bien d'accord. Bon, rediriger l'anima de la citadelle de la loyauté vers le temple. Nous servons tous le bien commun. Les désavoués sont perdus, MDG Normand. Ils hantent le temple de la loyauté comme des âmes en peine. Ils n'ont nulle part où aller, plus personne pour les guider. Plus de raison d'être, rien. Nous devons les guider sur le chemin de l'avenir. Je vais vous accompagner au temple et nous allons en appeler à leur conscience. Peut-être réussirons-nous à les convaincre de donner une chance à la nouvelle voie d'Adrestes, pardon. Persuadez 10 désavoués de rejoindre votre enfant. Le changement est en marche. Il faut savoir marcher avec lui. Mikanikos m'a beaucoup parlé des centurions désavoués au milieu normand. Je n'ai pas tout compris, mais il semblerait qu'ils peinent à trouver une méthode fiable pour restaurer leur protocole opérationnel initial. Cela étant dit, leur anima peut encore servir. Adrestes tient tant à reconvertir le temple qu'il en perd de vue sa propre sécurité. Or, je crains que le processus ne draine une bonne partie de son anima. Récupérer les noyaux de centurion désavoués et nous pourrons les utiliser pour alimenter Adrestes en anima. Récupérer 5 noyaux de centurion corrompus sur les centurions désavoués. Bon. Gardez l'esprit. Nous vous attendrons près du bourdon. Bonne chance, mes amis.
des filles dignes de moi. Oh merde, putain, j'ai appuyé sur ta blessure. Je regrette de vous avoir détourné du droit chemin. Sans moi, vous n'auriez peut-être pas rejoint les désavoués. Ma foi en l'archonte avait déjà été ébranlée. Vous m'avez seulement aidé à accepter la vérité. Ok, ok. Il n'empêche que vous avez souffert par ma faute. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Je dois d'abord choisir une cible. Personne ne doit interrompre notre labeur. Personne ne doit interrompre notre labeur. Personne ne doit interrompre notre labeur. On va dire qu'on n'est pas très convaincant pour le moment. Hein. Personne ne doit interrompre notre labeur. Merde, quel con, mais quel con, mais quel con. J'arrête d'appuyer sur tabulation, moi, hein. C'est un réflexe que j'ai. Ah putain quand même. Bon.
profil digne de moi. Pour Deva. Ne doit interrompre notre labeur. Les désavoués ne sont pas vaincus. Les honneurs. Interrompre notre labeur. Il reste encore combien à convaincre ? Deux, hein, c'est ça ? Un défi digne de moi.
C'est bon. 9 sur 10. Bon. J'essaie de me faire. Le bus qui est là. Et le bus qui est là. On va essayer de se les faire en même temps. Ah, ils sont solides hein, quand même. Hein. Parce qu'ils se prennent mes crépuscules dans la tronche. Ça fait lui pas quoi. Hein. J'avais pas vu mais... Voilà. Bon tout ça pour une pièce d'or mais c'est pas grave. Et il y a un morceau de sueur. Il a combien le sueur en ce moment? Quinze pièces d'argent à la JV favori. C'est compliqué, hein. Allez. Ah putain, ça drop pas, ça drop pas. Une quand même. Bon, on va essayer de faire ces deux trucs-là. Là. On convaincra un Kyrian au passage, certainement. Je
Allez, c'est bon, nickel. Merde, putain. J'ai encore attaqué un mob qu'il fallait pas. Bah attends. Ça va. Si elle drop un noyau, c'est grave. Viendra sans tarder. En vrai, je me fais chier, moi. Ouais, t'es dans mon dos, j'avais pas fait attention. Hop. On va activer ça rapidement. Ah, d'accord, ok, c'est plus haut que ce que je pensais. Alors là, heureusement que je sais voler parce que je me souviens absolument plus comment on atteint ici, hein, en vrai. Je vais devoir mettre en pause l'enregistrement juste une seconde. Je reviens dans une petite minute. Ok.
Ça c'est bon, c'est à rendre. Je mets en pause d'enregistrement juste une seconde. Ok, je suis de retour. Bon, on va rendre tout de suite cette quête ici. Ah, et j'ai déjà des ventes qui Je suis sont. la volonté de l'archonte. Alors, ce qui me manquerait. Alors, en fait, il me manquerait deux. Ouais, il me manquerait une chose. Pour bien pour que mon personnage puisse correctement faire des reventes et tout, c'est l'accès à une boîte aux lettres portable. Mais ça, il me semble qu'il faut être ingénieur pour pouvoir le faire. Ou alors peut-être dans les collections, peut-être que dans les coffres à jouets, il y aurait peut-être un truc. Mais j'ai rien, j'ai quasiment rien dans les jouets moi, donc. Mais il est possible qu'il y ait un jouet qui me permette d'avoir un. Voilà. Il est beau. Hein, hein, il est beau. Bref. Bon, et du coup, maintenant, il faut que je bute des. Et donc, des trucs métalliques là. Hein. Pas là, pas là, pas là. Faudrait que je vois là où il y en a quelques-uns. Pas ici non plus. Si, ça me paraît pas mal. Alors ça va faire très mal. Y a moyen, y a moyen, y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Et ils sont où mes gugus par contre? Ouais, ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer. Oh, lui, tu le butes là. Je n'ai pas de cible. Putain, et avec tout ça, j'en ai même pas eu un noyau, quoi. À l'enfer. Attends. Attends, me dis pas que ces trucs-là. Par contre, ces sentinelles-là, là, elles sont. C'est brutal, hein. Après, eux, ils drop pas, donc en vrai, ça, je m'en fous. L'espèce de chien métallique, là, lui, il peut dropper le chien métallique.
2 sur 5. Et ces trucs-là? Qui ose interrompre la conversion de ce mécréant? Pas être attaqué. En vrai, je sais pas si c'est à faire, mais ça va l'air de les faire chier. Désavouez ! Montrez à ces intrus quelle est la véritable... Vous courez bêtement au devant de votre sort ! Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de ce que je fais, hein. L'épreuve de courage. Et j'aurais pas dû. Je m'en doutais que j'aurais pas dû. Je me tire d'ici. Seule une défaite imminente révèle le véritable courage. Eh salut, hein. Être mis à l'épreuve. C'est bon à savoir, faut pas désactiver ces trucs là. Enfin, faut pas les détruire. Ça va activer le boss et il a l'air d'être violent. Oh. Ah, ça donne envie d'aller jeter un œil, ça, par contre. Sur 5. Ah non, j'allais dire il y a un joueur, mais non, c'est pas un joueur. J'ai enfin un allié qui a débarqué.
Bon, l'avantage c'est que j'ai mes alliés là. On va Je suis trop loin. On va essayer de se faire cette sentinelle.